avez été mal à l'aise devant les vidéos sur Johnny Crying. Alors quittez tout de suite cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons mettre à l'épreuve notre capacité à être ou pas mal à l'aise devant une situation. Try not to cringe challenge. Ça nous vient des États-Unis. Ça consiste à regarder des vidéos malaisantes et essayer de ne pas être en plein malaise. Il y a déjà des gens qui l'ont fait avant moi en France, mais vu que je suis pas original, je fais quand même, je m'en bats les couilles. C'est parti, essayons de ne pas être mal à l'aise. Un siècle que les noirs étaient noirs, pourquoi? Parce qu'ils descendaient des gorilles, laisse-moi rire. Vous savez, on disait aussi que les jeunes descendaient de l'orang-outan. Et on croyait que les blancs, ils descendaient des chimpanzés. Bon, allez, 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 au boulot. Je suis pas mal à l'aise. On dirait que c'est une autre planète. Bon, ça m'a mis... Ok, allez, c'est... on avance. Être extasié, c'est voilà, avoir pris de l'extasie et être un et peu... Et vous y connaissez toutes les deux, là. Hein? Oh, oui, non, mais on a entendu en orthographe, dire, hein. En orthographe, je oui, disais. En orthographe, voilà. Nous n'avons pas... Enfin, moi, je n'ai pas expérimenté. Patricia, je ne sais pas. Un petit peu. Oh non! D'accord. Non, Patricia! Fallait pas faire ça! Oh non, le malaise ultime! Oui, oui, je parlais d'orthographe, oui. Fallait juste passer outre. Fallait prochaine fois passer outre. Oh non! Ah, oh, c'est terrible. En plus, tu peux tellement pas contrôler tes émotions dans ce genre de situation. Hein, t'as pas l'impression d'être handicap international, là? À être mythe contre un Xerath, qu'est-ce que tu veux, push? Tu vois pas que ça marche pas dans ton cerveau? Putain, mais t'as juste... Mais lui, il me saoule, là! Mais t'as quel, là? Mais il me pète les couilles. Ah, j'aimerais tellement pas que ça va. Il faut jamais, jamais faire de live quand tu n'es pas seul chez toi, c'est une règle d'or. Oh non, mais le silence c'est la pire des choses. Fallait faire genre tu t'en bats les couilles. Fallait faire le mec qui assume. En plus il est dans sa rage parce que sa team elle est claquée. Ah, c'est horrible mec, franchement, moi, je combattis. Oh my god. Elle a tenté de séduire un mec qui a l'air un peu connu. Ça, quelque peu raté. Ne faites jamais ça pour séduire quelqu'un. Connu, pas connu, faites jamais ça. C'est sûr, c'est le bâche. Dans le ventre mou, un but. Bastia qui avait 4 suspendus du match contre Ajaccio. Oui, c'est vrai. Qui était handicapé par ça. But de Harlem Cheikh Diabaté. Ah, d'accord, mal, oui. D'accord. Et pas de moi donc, voilà. Cheikh Diabaté. C'était un jeu de mots avec le Harlem Shake. Bah moi, elle était bien sa blague. Pourquoi vous l'avez laissé bider? Alors ça, c'est injuste ça. Ça, je suis victime de ça. Bah déjà, je suis victime de ça avec vous. Des fois, j'ai des super blagues, vous me laissez bider. Vous avez pas le droit de laisser bider quelqu'un quand la blague est sympathique. Henri Matisse et ses nuits bleues. Ah, ok. Faut jamais vouloir faire un check quand il y a un moment d'euphorie. Ça, de toute façon, c'est les vents dans les checks, mec, c'est devenu courant. C'est même plus malaisant, c'est la vie. Hein. Martine trouve que son hôte ne lui raconte pas assez d'histoire. Eh bien, aussitôt dit, aussitôt fait, madame va être servie. Et le gars qui rentre dans le saloon, super énervé, un petit cow-boy qui rentre dans le saloon. Il rentre dans le cow-boy, il fait... Qui c'est qui a osé peindre mon cheval en bleu? Et là, t'as un énorme gaillard qui se lève du comptoir et qui lui fait... C'est moi, pourquoi? Et le petit cow-boy, il fait... C'est juste pour savoir quand vous allez mettre la deuxième couche. Aïe. Coup dur pour Guillaume, et souvenez-vous. Mon challenge, ça va être de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blanc dans cette soirée et que... Pourquoi? Plus la blague est rapide, moins t'en fais des caisses, plus c'est efficace. Là, tu nous as fait une squeezie, mon gars. Tu nous as fait une putain de squeezie. Les gens, ils t'ont mis un dislike direct, là. Oh, il était ultime, celui-là, mec. Ah oui, ça, c'est le bon qu'elle a mis. Merci à vous. Merci. Serge Lama. Félicitations justement à Teresa Morera qui remporte la somme de 3 000 euros. J'adore le plan, il repart au calme en arrière. Mais non! Pourquoi t'as fermé les yeux? Faut jamais fermer les yeux, tu vas vérifier si la personne est là. Dans une campagne présidentielle, il faut savoir se mouiller. Ça arrive, François. Non, ça arrive. Je peux pas t'en vouloir. Vous savez ce que c'est, CRS? Qu'est-ce que ça veut dire? Chevalier de la race supérieure. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est une vanne. Mais qui est ce fils d'Hitler?
clair, mais putain. Merde. Là mec, t'as déconné. Chevalier de la... race supérieure. Arrête tout de suite. Il est vraiment trop loin. Il a vraiment poussé le bouchon. Poussé le bouchon, ouais. Quelle heure est-il, l'heure du gala? On va tout donner. Quelle heure est-il, l'heure des droits? LB, S1. On n'est pas tous des fous d'infos, ou des pros des équadis. On aime bien aussi s'amuser parfois à rêver au BDI. BMP sont pas tous des dons, on s'en sort plutôt bien. Stop au privilège des dons, les canons moins déçus. On a des champions de Rubik's Cube et des futurs gratteurs de tubes. On a aussi des filles plutôt badass et des mecs qui ont la classe. Yeah. Quelle heure est-il, l'heure du gala? On va tout donner. Quelle heure est-il, l'heure d'être roi? MP, S1. Waouh! Ah ouais, là, mec! Franchement, ils ont fait un projet tous ensemble pour vanter les mérites de la MPSI1. MPI1, je sais plus le nom. J'étais trop absorbé par l'image, le discours n'est pas passé. En fait, c'est simple. Il faut juste mettre la musique en très bonne qualité, bien enregistrée au montage et faire des changements de plan. Et même si c'est nul, ça paraîtra moins nul. C'est le secret de mes vidéos, c'est que c'est de la merde, et vu que je fais des zooms, ça paraît beaucoup moins nul. Allez, suivant. Et j'espère que c'est bientôt fin parce que là, je commence à transpirer, mon gars. Sonia, voilà, j'aimerais juste, avant de commencer, vous poser une petite question. Madame Dubois, vous avez un lien de parenté avec Thomas Dutronc? Dutronc, Dubois! Oh, c'est marrant, ça. Alors ça passe dans une de mes vidéos. Y a pas de soucis, les gens sont habitués, on comprend. Mais dans la vraie vie, il faut le faire seulement devant tes potes très très proches, qui seront tes amis jusqu'à la fin, peu importe ce que tu fais. Par exemple, un jeu de mots pété. Elle, c'est pas de l'humour en bois, ça, t'as compris? Non, même moi j'ose pas. Eh, heureusement que c'est un palopat. Sonia Revolver, sinon j'aurais fait des vannes à deux balles. Oh là là. Aujourd'hui, je pousse un coup de gueule contre tous les cadavres de séries policières. Le thème blanc à la Mylène Farmer, ça suffit. C'est démodé. C'est démodé, les gars. Je vous le dis, il n'y a qu'une seule série qui nous sauve. C'est Plus belle la vie. Là, c'est les vivants qui sont maquillés comme des cadavres. Putain, on a trouvé Squeezie en pire et en féminin, mec. Il faut absolument la contacter. Il faut qu'on la trouve. Allez, qui sont Oh, Julien Le Perse, il est content qu'elle ait terminé, putain. Oh, d'un coup, il est heureux, il a le smile, hein. Vilain Julien. Allez, suivant. Allez, putain, la fin, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Et attention, c'est la séquence L'habit ne fait pas le moine. Oui. C'est les élections régionales. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Tellement badass, mon gars. C'est pas malaisant, ça, c'est génial. Un petit coucou à Roman qui a 8 ans, qui regarde notre émission sur les bonbons et qui voudrait un colis de bonbons. Il nous donne son adresse, c'est très mignon. On va s'arranger, ouais. Roman, mais c'est bien parce que vous avez 8 ans. C'est nos côtés zouzous, tu sais, c'est mercredi, c'est les zouzous. Je vais donner mon adresse. Tu veux des bonbons? Ah, pour... Tu vas lui quoi? Je vais donner mon adresse. J'ai bien entendu. Quelle drôle d'idée. Très bien, bah, bon. Drôle d'idée. Mais oui, mais c'est toi qui as émis cette idée très bizarre. Si vous avez 8 ans, ne vous en faites pas. Je vous donnerai jamais mon adresse pour que vous veniez chez moi. C'est hors de question. Je vous enverrai même pas de colis de bonbons. Donc en plus, je suis vraiment une merde. Allez, courage, on est presque à la fin. Là, c'est Pokémon. Ça doit être gênant d'écouter ça avec son petit frère. Dis donc, Sacha, est-ce que Pikachu aime qu'on lui caresse la queue comme je viens de le faire? Oh oui, il adore ça. Ça a l'air amusant. Laisse-moi essayer. S'il te plaît, Sacha, tu peux laisser sortir Passe-Rouge? J'ai envie de prendre soin de lui. D'accord. Passe-Rouge, viens nous rejoindre. C'est dès qu'il y a caressé que dans la même phrase, ça fait rire n'importe quel homme, ça. On est vraiment des beaufs, putain. Les amis, c'est maintenant l'heure de l'avant-dernière. C'est 2-0 parti. Pour l'équipe de France et qu'on ramène l'euro et qu'on reprenne celle de l'Espagne de l'Espagne. De l'équipe de l'Euro 2000 il y a 4 ans et qu'on la reprenne, effectivement qu'on la reprenne cette équipe de France et qu'on la ramène. Et un but de Griezmann et de Giroud et allez la France. Voilà, bah ils ont peut-être entendu. Waouh, elle est exceptionnelle, mec, celle-là. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est hyper surprenant, on s'attend pas à quelqu'un qui est bègue. Ce qui fait arrêter, c'est non pas cette femme qui a du mal à s'exprimer, mais c'est ce mec qui a su... Malgré la surprise, rester ultra sérieux. On sent que quelquefois il a envie de craquer. Puis il regarde d'ailleurs, il se souvient que son métier est en jeu et ça va mieux. Regardez, là il va craquer, il est pas bien. Il regarde d'ailleurs, hop, il est re-sérieux. Là il va craquer, il est pas bien. Il regarde d'ailleurs, hop, il est sérieux. Il est fort, il est super fort. Et franchement, best employé de BFM TV, clairement. Et le dernier qui a été posté il y a seulement 9 minutes. Si toi, Sophia, tu étais dans le corps de Matt, tu ferais quoi? Et si Matt, tu étais dans le corps de Sophia, tu ferais quoi? Je toucherais 5 équettes. Ah, moi je me...
doigtré, mon gars. Eh, hey, mon gars. Ça se passerait comme ça. Hey, tu vois la bouteille là? Ouais, ben. Oh, tu l'as montré? Oh, c'est dégueulasse! Ah, bah ouais, ça sera. Mouah! 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 Qu'est-ce que le monde devient? Franchement, la dernière, elle m'a achevé. Je vais aller me jeter par une fenêtre. Les amis, je reviens d'entre les morts. Je vais me redéfenestrer juste une fois, j'arrive. Voilà, ça va mieux. C'est déjà la fin de cette vidéo sur essayer de ne pas être mal à l'aise. Est-ce qu'on a réussi ce challenge? Absolument pas. Bon, n'hésitez pas à aimer les deux si ça vous a plu. J'avais envie de faire ça, pour vous montrer ce que c'est le vrai malaise. C'est pas Johnny Crying qui joue un rôle, qui joue un perso de taré. Et il est excellent acteur parce qu'on y croit à mort. C'était exceptionnel, c'était Malaise Simulator. N'oublions pas que dans la moitié de ces vidéos, ça part d'une bonne intention. Par exemple, ceux qui font la vidéo là sur leur classe, ça part d'une bonne intention, ils essaient de créer un truc. C'est juste qu'ils s'y prennent pas forcément bien à nos yeux. Et du coup, ça provoque le rire chez nous parce qu'en vrai, on est juste mal à l'aise. Moi, je pars du principe que même si quelqu'un nous met mal à l'aise, il faut pas pour autant se moquer gratuitement de lui et le bâcher. Parce qu'au moins, il essaie de créer quelque chose, de faire quelque chose de sa vie. Et ça, c'est très bien. À la très prochaine vidéo, merci d'avoir regardé. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Peace.